Je suis Sonia Grandjean, je suis marin-pêcheur à la petite pêche sur un caseyeur basé à Paimpol. Et on travaille donc crustacés, crabes, homards, tourteaux et trilles. La météo nous a empêchés de sortir pendant le mois de décembre avec les tempêtes et maintenant on espère que la météo s'arrangeant, on puisse y retourner et on prépare donc la nouvelle saison en mars pour le homard avec le casier à reprendre à la maison, les filets à monter, le bateau à réparer, à nettoyer et tout le matériel à remettre propre pour réattaquer la saison prochaine. J'ai voulu venir à la pêche parce que j'aimais beaucoup la mer. J'ai commencé par faire de la voile. Je me suis inscrite au lycée maritime à Paimpol, au lycée Pierre Loti. Et puis j'ai réussi à passer les diplômes de matelot puis le capacitaire. Et ça m'a permis de commencer à trouver un embarquement et commencer à travailler à la pêche. Donc le lycée maritime m'a permis d'avoir les diplômes pour pouvoir embarquer, pour avoir le droit de travailler. Mais quand on est une femme, c'est pas facile de trouver un embarquement, donc il y a quelques personnes qui m'ont embauchée, mais il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc la seule possibilité que j'ai trouvée, c'était d'acheter un bateau et donc de me mettre à mon compte pour pouvoir apprendre mon métier. Et on est parti sur un projet d'un petit bateau, parce que comme disent les profs au lycée maritime, petit canotte, petites emmerdes. Et on est parti sur la pêche au casier parce que c'est une pêche qui est agréable, qui est sélective, qui est non destructrice, qui permet vraiment un prélèvement ciblé de l'animal, de l'espèce qu'on cherche. Tout ce qui est remis à l'eau vivant, non abîmé, non traumatisé. Donc on n'a vraiment pas l'impression de détruire les fonds. On travaille sur des espèces qui sont très abondantes, donc où c'est agréable aussi parce qu'on peut pêcher sans se dire qu'on est en train de faire disparaître une espèce. Le homard est très bien géré dans le quartier de Paimpol, il y a des grosses réserves avec des programmes de protection des homards, donc ça permet de travailler sur cette espèce en toute sérénité. Et le projet, c'est de rester sur un petit bateau, petit concept, et de continuer comme ça avec le petit métier à l'ancienne, sans chercher à voir grand, sans chercher à partir sur des plus gros bateaux, vraiment arriver à vivre de façon autonome à une échelle locale.